Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que Noël approche, c'est pour ça que je vous ai dégoté une petite guirlande très déco pour l'occasion. Si ça vous plaît, on est parti. Donc pour réaliser cette guirlande de chaussettes, on va avoir besoin de petites chaussettes découpées à l'aide du patron que vous trouvez sur le site. Donc moi j'ai prévu 10 chaussettes. Donc du coup j'ai 20 petites chaussettes découpées, 10 petits bouts de ruban, du biais, de la ouate, du fil bien sûr, des épingles et une paire de ciseaux. Donc quand vous allez découper vos petites chaussettes, il faut que vous ayez deux chaussettes différentes. Donc pour cela, vous utilisez le petit patron, vous faites votre petit tour. Vous découpez à 1 cm environ de marge de couture et vous retournez votre patron. Vous faites le tour, la marge de couture et vous découpez. Le but, c'est de ne pas avoir deux chaussettes. Si vous gardez le même sens, en fait, tac et tac, et bien vous allez avoir deux chaussettes identiques, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir les superposer. Donc, ça sera un petit peu embêtant pour pouvoir les coudre. Donc on va réaliser une chaussette, donc en vidéo, après je les ferai toutes à part et on verra ensuite l'assemblage. Donc vous mettez vos petites chaussettes endroit contre endroit et vous allez faire une couture au point droit tout autour. Donc l'avantage de dessiner votre patron sans la marge de couture, c'est que du coup vous avez le trait qui vous sert de guide pour la couture. Donc bien prévoir du coup la marge de couture par contre. Donc on épingle nos petites chaussettes endroit contre endroit. Donc là, on découpe le surplus de tissu. Et une fois qu'on a découpé le tour, on crante un petit peu afin d'éviter les petits bourrelets quand on va retourner la chaussette. Donc, on va retourner notre petite chaussette. Voilà, elle est toute mimi. On va venir la rembourrer avec un petit peu de ouate. Donc, le but, c'est pas que ça soit super dense à l'intérieur, hein, c'est de donner un petit peu de volume. Cherchez pas forcément à la gaver, on va dire. Voilà, et là on va réaliser un petit ourlet. On va venir y glisser notre petit ruban au milieu. Hop, on va venir épingler. Et on va venir faire une petite couture au point droit juste ici. Voilà, donc la petite couture au point droit est faite. On va maintenant couper les petits fils qui dépassent. Et on va faire toutes les autres. Donc voilà, toutes nos petites chaussettes sont prêtes. On va maintenant les positionner sur le biais. Donc vous allez commencer par choisir l'ordre dans lequel vous allez les positionner. Donc on en a des grises, des rouges et des blanches. Donc on va essayer dans l'idéal de ne pas mettre
deux identiques, l'une à côté de l'autre. Ma décision est prise, ça sera cet ordre-là. On va maintenant les positionner sur notre biais. Donc on prend la moitié de notre biais. Donc la moitié, elle sera là. Hop, tac, tac. Et donc, il va falloir que je positionne, puisque moi j'ai 10 chaussettes, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc on va les positionner de manière à ce qu'elles ne se superposent pas. Après, ça peut donner un style en soi. Donc je vais simplement pour l'instant les positionner les unes à côté des autres dans l'ordre que j'avais déterminé. Donc le but étant de laisser un peu de biais en rab à chaque extrémité pour pouvoir tout simplement accrocher votre guirlande. Hop, et ben ça me paraît pas mal. Donc on va regarder à peu près 7,5. On va partir sur 7,5. Donc là, on va les épingler de manière à ce qu'ils soient tous à égale distance. 7,5, on va peut-être faire quelque chose de plus rond. Hein. On va pas s'embêter, on va mettre 8. Donc là, il y en a une. Voilà, et on les épingle de chaque côté. Donc là, je les épingle comme ça. Après, on repliera le biais et on mettra bien l'épingle à ce niveau-là. Pour l'instant, là, je les positionne tous à égale distance les unes des autres. Donc on fait ça tout le long et on se retrouve après. Donc maintenant, on rabat notre biais. Et en y glissant, bien sûr, notre petit ruban. Le petit ruban de chaque chaussette à chaque fois dedans. Voilà, et du coup il me reste du rab qui servira pour accrocher la guirlande où on veut. Donc on va maintenant du coup faire la petite couture qui va du coup fermer le biais et emprisonner chaque petit cordon, chaque petit ruban de bottes ou de chaussettes, comme vous voulez, dans le biais. Donc on prend notre petit repère au niveau des petits marquages qu'il y a sur le pied. Tant qu'à faire, hein, ils sont là pour ça. Et c'est parti. Donc on commence par un petit point d'arrêt. Donc moi je vais faire à chaque extrémité un petit nœud, c'est pas une obligation. Hop. Et voilà, notre guirlande est prête. Il n'y a plus qu'à attendre Noël. Voilà l'exemple d'un petit tuto rapide, facile, avec un rendu perso que j'adore. N'hésitez pas à décliner les petites chaussettes en y faisant des sapins de Noël, des boules, des anges, ce que vous voulez. En tout cas, je kiffe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.